Alors, te rencontrer enfin, c'est l'histoire de Sidonie, qui est une jeune femme de 30 ans, qui va un jour, dans la cave de ses parents, découvrir une photo d'inconnu. Elle va creuser un petit peu et elle va découvrir que ces inconnus, ben, en fait, ce ne sont pas censés l'être. Et de fil en aiguille, elle va découvrir qu'il s'agit de ses grands-parents. Donc, elle va se poser pas mal de questions et puis, ben, petit à petit, elle va rencontrer, pardon, pour la première fois sa grand-mère et en passage, elle va découvrir le secret de ses parents. Ça. Vie pour moi, c'est un roman qui se passe à Lyon. J'aime beaucoup ce livre parce que j'ai fait mes études et ça se prête très bien avec le roman. Dans cette histoire, en fait, on suit Ellie et Lara, qui sont deux jeunes femmes. Elles sont amies depuis l'enfance, depuis la maternelle. Ellie, un jour, elle va se suicider. Donc, ça va être une période très compliquée pour son amie Lara, qui déjà va sentir un petit peu trahie en fait par son amie, mais surtout elle va sentir coupable parce qu'elle a pas vu que qu'Ellie allait aussi mal, en fait, tout simplement. Elle va un petit peu se poser plein de questions. Elle va découvrir donc le journal intime de son amie dans lequel elle va décrire qu'elle a été entre autres violée et donc du coup Lara va se donner pour mission de faire condamner cet homme. Donc il y a un petit peu une enquête, même si ça reste pas une enquête policière. Une vengeance quelque part, si, parce que voilà, c'est cet homme qui est indirectement responsable du décès de son amie, donc elle va vouloir faire en sorte qu'il soit condamné et voilà, et elle va aussi vouloir sauver d'autres femmes. Oui, c'est ça. Jenny Bassett, donc ça nous raconte l'histoire d'Eugénie et de Paulette. Donc Eugénie, c'est une jeune étudiante en médecine, elle a 21 ans, la vie lui sourit, tout va bien, sauf qu'un jour elle va rencontrer des difficultés financières. Donc pour survivre, elle va se retrouver plongée dans un trafic de drogue, duquel elle n'arrivera pas à s'en sortir, mais elle va pouvoir compter là-dessus sur sa voisine octogénaire, Paulette, avec qui elle deviendra vraiment amie, et qui va vraiment l'aider en fait à se sortir de ce mauvais pas. En fait, à la base, j'ai voulu faire un roman qui tournait autour d'une histoire justement transgénérationnelle, parce que pour moi, le lien qu'on a avec les personnes âgées, il est hyper important. Je suis très proche de ma mamie, donc je pense que c'est pour ça. Le sens, c'était vraiment cette histoire d'amitié. Puis après, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer qu'il y ait quand même un intérêt et qu'il y ait du dynamisme au roman. Et c'est cette histoire de trafic de drogue qui est venue en tête. J'ai déjà bien avancé la rédaction du 4e, j'ai une idée pour le 5e et le 6e, donc tout va bien, ma tête bouillonne. Continuez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà.